Salut Viewer, comment allez-vous aujourd'hui? Donc ce soir on se retrouve pour faire un petit live. Et direction la Russie. Je ne sais pas si je serai tout seul ou pas. Vu que dans la team ça propose des convois, mais ça oublie que ça avait des choses de prévues et après ça se fait démonter par tout le monde. Bref, là c'était Y. Allez, on va aller chercher la remorque. Direction Sosnovy. Salut Jordan. Ça te fera quel âge demain? 18 ans, 19. Salut Monsieur Propre. Comment tu vas? Donc on va à Sosnovy. Tu vas prendre une chance. C'est parti. Allez, on va aller rejoindre le Discord. Bonjour tout le monde. T'as commencé vachement jeune alors, du coup. T'as commencé vachement jeune et si t'as roulé 10 ans. J'ai commencé à rouler à 18. Ah ouais, quand même. Et vu que je sortais de l'école, allez Ah, hop, c'était ton premier boulot à les feux. c'est ça. Donc si j'ai bien compris, je suis le seul à aller en Russie. C'est ça. Oui. Moi j'en suis. Je pars vers Andorre, c'est 800 km, 10 heures. Là, il y en a pour Et une heure de Boubou, il jeu. roule pas alors. C'est cool. Comment? Boubou, il roule pas. Ah non, il est allé voir Bastinger avec sa femme. Ah bah Il s'est non, fait péter la gueule. Il s'est fait Il fait victimiser. démonter. Il s'est fait victimiser, le pauvre. Mec, il propose et... Il s'est fait démolir. Il est fait Bah, il démolir. C'est pas lui à Bastinger, c'est sa meuf qui lui a pris le chou là, au moment de Ah partir. mais... C'est plus que... C'est plus que démolir Tournez à droite. Il s'est Allez, fait... avec lui, il a pris cher. Préparez-vous à Il s'est tourner à fait gauche. dépouiller, le pauvre. Tournez à Comment gauche. va là, il prend cher. Il était prêt pour le convoi, mais sa femme en a décidé autrement. Ah, mais moi je prends cher pour que dalle, c'est ça le problème. Merci. Je prends cher pour que dalle. Ah, Boubou, t'es beau. il prend cher, c'est pour quelque chose. Ouais, c'est parti pour 2650 tout seul. Allez. Ah, okay. Bon, c'est parti pour refaire mon profil. Ah, c'est rien, tout ça. Encore? C'est juste la quatrième fois aujourd'hui? Oui, quatrième fois, ouais. Moi, demain, toujours ouais, 50 parce ans, que ouais. ta merde, il me la Moi, sauvegarde, ça va, ça me tu saoule. changes pas, alors, c'est propre, c'est le principal. 17 ans et le permis? Je comprends pas, Jordan. Permis accompagné, C'est quoi l'event conduite avec la team? Y a La pas conduite d'event. accompagnée, c'est Ah, la 17,5. conduite Mais t'as une accompagnée, option de voilà. conduire jusqu'à 18 ans.
Allez tout droit. Il dit qu'il passe son permis l'intime, il aura que 17 ans demain, donc je sais pas. Ou alors il est pas français. Ils peuvent le passer en anticipé. Ouais, à 17 ans, ils peuvent le passer en anticipé à 17 ans et avoir le permis en poche à 17 et demi. Ensuite, c'est la nouvelle loi. Aujourd'hui, sinon, c'est le canapé. Ah non, c'est... sinon, il n'y a pas de cliquette ce soir. On perd tout, j'ai pas fait. La loi est passée. Ah, après, c'est un an. Ouais, c'est ça. Elle a pas précisé. Ah, là, apparemment, si, c'était précisé pour ce soir, hein, mais bon. Oh, Romain en blonde. En blonde ? Bah, dis-toi que. Salut, Quentin. Ah, avec j'ai... un dragon. Et... Ah, bah, vas-y, fais-moi plaisir. Oh, je sais pas si ça va te faire plaisir quand tu vas voir ta tête. Tu le mets sur Discord, bien sûr. Ah bah, c'est quoi que je fais depuis 5 minutes? Non mais, t'as vu tout ce qu'il avait mis tout à l'heure? Bah, ils sont toujours, hein, moi j'assume. Bah, je sais, je les ai vus tout à l'heure. T'es beau en blonde, Romain. Moi, je m'en fous, je trouve que ça reste dans la règle. Je savais pas que t'étais blonde, Romain, d'ailleurs. Dis-toi qu'à une époque j'ai fait la couleur. Mais là elle fait j'ai peur. J'ai fait la teinture blonde. Tu fais peur aux mains là. Ah, t'as pris comment? Rasé ou non rasé? Oh putain. Ah bah, très long. Coucou à Thibaut, comment va-t-il? J'ai je peux passer et après j'attends. Ah bah, je te puceau, c'est quand je suis rasé. Hein. Donc, pardon, ah non, il se passe plus rien. Je suis sur ton permis à Hawaïen. C'est par ici à tourner à gauche. J'ai retrouvé ta photo. Ouais. Tourner à gauche. Ah, mais depuis cet après-midi, elle fait que ça de clasher. Je vois pas que je clash personne. C'est surtout, elle s'amuse à faire du montage. D'ailleurs un peu dégueulasse mais bon. Ah oui. Alors déjà ça c'est bon. Régler mon siège correctement. Mmh. Ouais. Ah mon fauteuil qui se barre en couille. Je crois qu'ils t'ont entendu donc. Qui ça moi? Je sais, non, j'ai entendu quelque chose mais j'ai pas entendu. Salut Bruno. Ah bah c'est bon, c'est bon, si t'es sûr c'est bon, c'est bien. Et le bonsoir de Bruno. Il a dit quoi le petit Seb? Non, rien. Il a rien dit. Salut Seb, comment tu vas? Salut Benji. Salut Kimi. J'ai dit à mes 25 ans j'avais les cheveux roses. Va voir sur Discord, j'ai retrouvé une photo de ton homme. Sur lequel le note ou. Sur Blabla Team Faut que je retrouve la carte bleue, les gars. Si je mets pas la carte bleue, ça va pas s'ouvrir. Ah, le note. Il a pas accès au note. Hein. C'est juste le note. Ah, mais tu veux que je mette sur l'autre? Il y a pas de soucis. Non. Putain, faut le bordel sur le mien. Tu donnes le bâton pour te faire battre, Romain. Mais je donne rien du tout. Alors, Ange, il est où? Il est là, Ange. Eh, si tu veux, tu leur envoies un message privé, c'est tout. Mais... Oh, il va se foutre de ta gueule, hein, Chan. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la série. Ted, ça fait plus de 10 ans qu'il se fout de ma gueule. Merci pour le like, Bruno. Ah, au totem. Merci, Kimi. Seb, va voir tes MP sur Discord. Je ne sais pas, il en reste, et creuser un trou en dedans. T'entends pas, il s'est servi un café. Attends, je vais attendre qu'il revienne. Seb, va voir sur le Discord. T'entends pas, il a encore parlé. Merde pas, toi. Santé. C'est parti pour 2500 euros. Pour totem, 3 crânes au sud-est. Sud-est. J'espère que t'as les mutas ouvriers, n'empêche. C'est Romain.
merci pour les likes, hein, tous les likes. Les... Bon, je crois que t'as eu le commentaire en direct, hein, ou pas? Bon, bébé, ma santé de la même France. Hein. Vivement, vivement. Non, quoi de neuf, les viewers ? Ah, bon, quoi de neuf ? Il y a Kimi qui demande de balancer dans les... la photo dans CMP. Il n'y a pas de soucis. Je t'en envoie une petite. J'en peux plus de... J'en peux plus. On est il est revenu, ton doc. Bonsoir. Ça a dû s'évanouir. En voyant les têtes, ouais. Oups, j'ai oublié de changer les têtes dans les options. Quelle abruti. Ah bah là, là je crois que j'ai trouvé la photo d'aussi, et puis le moche de Rome. Un dehors déjà. Demain matin, 4 bonnets, 3 manteaux, 2 pulls et 4 chaussettes. Ça a gelé chez vous? Mais là, il est en train de geler actuellement. Yes, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, puis il va faire 25 demain après-midi. Ouais.
Ouais, c'est ça. Cet après-midi, il a fait une tique cet après-midi. Un clown, t'es gentil, c'est même plus un clown que la bouffée. Il y a un froid des montagnes qui descend comme chez moi. Tenez la droite. Ah, oh, j'aime le commentaire de ton œuf. Je les écoute pas, je les écoute pas, je les écoute pas. Vaut mieux pas. Ça reste que de gueuler. Que j'ai viré, il en a 34. Arrête, non. T'étais déjà au lit, que je sache. Et hop, tous ces modes à la poubelle. Au revoir. Ah bon, temps de jeu 2 minutes, 10 km, logique. Mais non, c'est pas sur Blabla Team là. Va te coucher. Ouais, faut absolument que je l'active. Pourquoi il veut pas marcher? Superposition, ok, machin, truc, hein, ça c'est bon. Casser les couilles longtemps aujourd'hui, je crois. Putain. Bon, ça va, on est sur. Pierre la... Romain. On est sur la mode. Donc, ça va, il y a un peu moins de casse-cou. Tu aimes pas, toi ? Ouais, il fait tout noir. Ouais, on arrive en Suisse. Tellement dormir peur, ces gens-là. On peut pas jouer tranquillement. Qu'est-ce qui t'embête, Romain ? Ah, bah, déjà toi, déjà. Je fais plus rien, moi. Je suis sage, là. J'ai arrêté. Vie. C'est vrai, j'ai arrêté. J'ai fermé mon site. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite.
Bon, tu peux me confirmer ça qu'elle a arrêté. Préparez-vous à tourner à droite. J'ai débrouillé. Tournez à droite. Il va demander à ton homme, il va te dire que je suis plus en train d'en envoyer là. Ça prend la peine de ne pas avoir embêté ça. Ah ouais. Allez, bienvenue en Allemagne. C'est bon ça. Attends, pas j'ai envie de faire celle-là. Bien calme ce soir. Trop calme. Ça doit.
Qu'est-ce que tu fais, Michel? Pourquoi tu joues à face moi, toi? GG s'est fait piquer le PC par sa femme, donc... Quoi? Je suis à GG, ton père... Je suis à votre case, ton père il joue, il me fait aucune idée car pour le moment c'est ma mère qui joue. Tenez la gauche. Ouais. Ça veut dire qu'elle est sortie du balcon, ça. Elle a réussi. Vous avez joué à Call of Duty jusqu'à 3h du matin? Moi non, j'ai arrêté là. Ouais, ça. Je continue un peu avec Amy. Ça m'a saoulé hier, j'ai arrêté à rien. Ah oui, ça, tu gueulais pas là. Oui, gueulez, mais non. Tenez la droite, puis tournez à droite. Arrête, ah, ouais, arrête, il lance à peine le jeu, c'est au bout de 5 minutes, alors on l'entend pas rigoler, c'est... Non, mais il y a une game, l'autre, il a gagné tous ses duels, ça m'a saoulé. Ah, c'est abusé, quoi. Ouais, c'est abusé. Au bout d'un moment, j'ai même balancé le casque. J'ai même éclaté la montagne, j'ai tapé fort sur le bureau. T'as des mecs déjà qui sont bons, si en plus ça commence à chier. Ah non, mais le mec, il était pas spécialement bon, en plus, c'est qu'il avait que de la chatte, c'est tout. Puis voilà. On prend sur ma gueule quand je dis qu'il y a de la compensation avant dans ce putain de jeu. Tu vois le mec qui passe devant ta gueule, t'es bloqué, tu t'as beau appuyer sur la gâchette comme moi, il se passe rien. C'est comme dans les films, hein. Tu tires les rafales, les mecs sont pas morts. C'est vraiment ça. Salut Fabien. Bonsoir de Fabien. Bon, ça va bien et toi? Salut. On va faire ça après. Tac tac. Sud-ouest. Tenez la droite. Tenez la gauche. Personne. Ce que j'ai hâte, pas spécialement. Je préfère attendre un petit peu qu'il sorte un truc propre, complet. Donc ça y a la va vite là, un petit peu comme sur la promo d'Europe. Mais ouais, j'irai tester. Hein. J'irai tester. Pour voir. Bien que le jeu de base est plutôt bien fourni maintenant. Enfin, si j'avais su que j'étais toute seule ce soir, j'aurais peut-être fait de l'américain. J'aurais fait l'event SCS, non? Je parlerai plus. Mais j'ai refait quoi? Je sais pas. Là, il a l'air dégueulasse.
avec le Schwebe. Ce promode a fait des sons combien à travailler dessus. Je ne saurais te dire. Il sait dire Thibaut. C'est une dizaine, il me semble. 17. C'est le même 10. Putain. Ouais. C'est le même 10, c'est énorme. Quand tu vois les détails. Et surtout qu'ils font ça gratuitement en plus. Ouais, ils font ça gratuitement, ils font ça pour le plaisir. Tu vois, par exemple, j'ai choisi l'Andorre, donc c'est mon coin en fait. Je suis passé dans mon village en fait, et je reconnais quand il y a des trucs, des montagnes et tout ça, je reconnais. C'est assez marrant, j'ai même vu une maison de gens que je connais qui a été refaite. C'est pour ça que tu vois, je dis c'est vachement dans le détail quand même. C'est seulement 10. Par contre, les endroits ne sont pas à jour. Ouais, bon, après, c'est sûr que. Là, ce quand que je vois de chez moi. Thermes, maintenant il y a la rocade. Comment ? Quand je vois Attil et Thermes, maintenant on évite le village. Oui. Ça promode en passant encore deux, non ? Exact, je suis là. Exactement. Monsieur Brock, tu regardes trop les films. Les films américains. Et toi, le VF, chat, non, pas mes pieds. En VFQ, en fait, hein. Version française québécoise. Hein. Oh, faut arrêter, ça met tout le film. Parce que le Canada, il parle anglais. Hein. Ouais. Il y a qu'au Québec où il parle français. D'ailleurs, ouais, il parle Québec. Mieux. Non, ouais. Il parle mieux français que les Français, je trouve. Et du coup, tu es beaucoup plus. Hello, guys. Je suis à 1h30 de route. C'est que t'habites, hein? Je suis dans les Andes. Exactement. En demain sans. Tenez la gauche. D'accord. Une heure de Tarbes. Ouais, je connais, j'étais à côté de Nizan, Sainte-Lalie-en-Borne, il y a 2 ans. C'est toi aussi. Le village okay. Où j'allais toutes les semaines. D'accord, c'est à côté de Biscarros. Ouais, Biscarros, Arcachon, par là, ouais. Exact. Par Antis. Très joli coin. Ah, du coup, on est très très loin. Quoi. On est à 2 heures de route à la nôtre. Tenez la gauche. Salut Seb, merci pour le plus bleu, ça fait plaisir. Tu joues à quoi, Thibault ? Pour au trek. En solo. Je suis en train de tester mes modes parce que j'ai eu des problèmes, des bugs surtout. Et là, je vais me coucher donc ouais, là, il faudra que je me concentre un petit peu. Alors, déjà, quand tu es concentré, il faut le chlorique. Ouais, pour dire, alors, le confinement, c'est. Je suis plus concentré, mais bon. Alors, confinement, c'est plutôt. Confiné le week-end, mais pas la semaine. Un peu. Il y a des gens qui partent au travail. Hein. Un peu comme beaucoup, hein. Tous ceux qui travaillent, pour eux, ils ne voient pas trop la différence. C'est assez curieux pour le truc. Lundi, je repars à Bayonne. Recherche d'un nouvel itinéraire. Donc, Tenez la gauche. Ça me fait sortir. Oh putain. Bon, désolé pour ce gameplay un peu foiré. C'est que quand il pleut, ça glisse. Ah, c'est le principe de la pluie.
Mais sur le TS2, ça glisse vraiment beaucoup pour le coup maintenant. On est en 1.38, la 1.39 et ils ont touché à la physique sur la flotte. Donc on finit, mais on travaille les projets à la maison. Bah donc ça occupe quand même. Aïe! Eh non, mais c'est pas vrai! Bah j'y arrivais. Je reviens. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Il devrait plus trop tarder. Ils ont annoncé une date ? Non. Non, ils sont toujours fin début décembre. C'est sûr que ça va cartonner quoi, les gens ils attendent ça. Après faut voir le prix aussi. C'est sûr. C'est pas trop abusé. Contre ceux qui ont fait ce jeu, là, SSCS, ils se sont fait les couilles en Europe parce que quand tu regardes le jeu, il est de 2012. Toutes les extensions qu'ils ont fait, on est combien à jouer. Ils sont gavés quoi. Sans compter tous ceux qui se sont fait ban sur RMP et qu'on achète des jeux. C'est-à-dire. En fait, quand tu te fais ban de Procure MP, tu peux plus jouer à un petit Ah oui, d'accord.
Après, il faut faire un truc super grave, il faut s'aider les autres, il faut s'aider les autres, un truc comme ça. Ouais, soit avoir plusieurs bannes, avoir 4 ou 5 bannes dans la même année. Voir après quand t'as des propos raciales, ou tu shit. Ouais, dès que tu shit, de toute façon, c'est un ban et tu dégages. Tenez la gauche. Ah, mais si on est shit, t'es pardonne pas. Ouais, ça va, c'est pas déconnant quoi. Par contre, c'est vrai que vous parlez de cheat là, mais j'ai acheté. Alors, c'était en Finlande, je crois. Il y avait un mec, j'étais à 95, dans les routes de merde. Et il m'a foutu une espèce de vent, je sais pas combien il roulait, mais il était pas à 98 ou 99, quoi, tu vois. Ça trace. Après, voilà, si il y a un remorque vide. CS, il y a des fjords. Je me suis dit que c'est pas possible. Quoi. Il y a un truc. Quoi. Il y a un truc. Quoi ouais. Franchement, c'était hallucinant. Erreur, tu mets. Au rond-point, prenez la deuxième. Maintenant. Au rond-point, prenez la troisième. Sortez maintenant. Arrivé là. T'as fait encore un Dijon en dort. Ouais, j'en ai dormi 5 km, même pas une heure, j'ai 3 quarts d'heure. C'est la bonne route, hein. L'autoroute, ben, je pense que ça tourne un peu plus. Pour monter à l'Andorre, ça se fait très facilement en fait. Allez tout droit.
Merci pour les likes, Nicolas. Allez tout droit. C'est chaud. Tenez la gauche.
Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Softies. Pour le moment, je suis un peu occupé. J'ai un Kraken au cul. T'es en live ou pas? Ouais, je suis toujours en live. Hein. Si c'est pas les autres mains, c'est le Kraken qui te fait chier.
il y en a des fois. Ouais. Vers les pays de l'Est surtout. J'en ai croisé pas mal. Allez tout droit. Et... tenez la gauche. Enfin, l'avantage qu'il y a roulé seul, c'est que dans ton GPS, on va donner des instructions. Tiens. Ouais. Donc, en multi, on a du mal. Ouais, tu roules à la vitesse que tu veux, c'est pas faux. T'as une meilleure moyenne. Tu as l'air de laguer un peu. David Twitch. Salut Quentin, merci d'être passé sur le live. Bonne soirée à toi. Tenez la droite. Putain, faut que je sorte à droite. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire.
Ça me permet de dégriser. Passons par là. Et Romain, il s'est fait piquer les clés de son camion. Ouais, il n'y a plus de batterie. Qui recharge la batterie en fait. Il charge la batterie des clés. Ou les piles. Salut Jacques. Comment tu vas Jacques? Merci pour le petit pouce bleu. Ouais, il a réussi. Hein. Non, c'est pas Nathalie. C'est Natalia. C'est pas Moscou. Et je l'ai rejoint après à Saint-Pétersbourg. En solo, j'aurais pu aller jusqu'à Moscou. Mais elle est propre, là. Moscou est propre hein, sur la route. Allez tout droit. Alors, c'est pour l'instant, pas moyen d'y aller. Je crois qu'elle était compatible sans fixe en plus. C'est la roue Titanded. Mais j'ai essayé de le tester pour moi-même, elle n'est pas compatible à 100%. Il faut la resmap, mais comme la version 2.3.1 n'est pas sortie, ben, j'ai de. Qui va pas tarder à sortir apparemment. Dans la chanson de Gilbert, je la connais pas cette chanson. J'apprends des deux maps additionnelles, ça fonctionne pas. Allez tout droit. Thank you.
et j'avance plus vite, n'empêche. Ouais, tu m'étonnes. Tu ralentis moins, moins dans les côtes aussi. Même la caution est plus basse. 27 litres 100. Un peu de dommage à vous, parce que tu peux pas trop les tuner les Renault. Ça reste trop simple. Hein. C'est ça. C'est dommage parce que le AE. Allez tout droit. Le Renault AE est pas mal quoi. Mais que ça sent euros la mission. Oh les radars. Pour un trajet de 500 bornes. C'est des fleurs fanées que t'as mané, hein? Non, c'est des fleurs fanées. Ouais, ouais, d'autres fanées, ouais, je pense. Pour te payer 500 balles, ouais, c'est plus que fanées. Ça te paye même pas le carburant, ouais. C'est ça. Et encore. Ouais. Pas encore. Tout à l'heure, j'ai ramené un char militaire, j'ai été payé 300 euros. Quoi, t'as mis un mois de monnaie ou quoi? J'ai même un mode économique un peu plus compliqué. Ah ouais. Il va falloir en faire des bornes. C'est ça. Lui équipé, je gagne que 30 XP hein, par mission. Résultat, je suis encore niveau 0. Après de près. Après, ça donne quand même au jeu quand même un peu plus réaliste. Pas qu'en vrai t'es payé 4000 euros pour une mission, je pense pas. Bah ça pas limite hein. Arrête tes fleurs coupées, ça m'étonne. C'est pas de la ouais, ma partie hollandais. Comme dit monsieur Brad. Ah, d'accord. Comme dit monsieur Brad là, pour 300 euros il démarre même pas le camion. Après ça dépend de ce que tu portes, mais je vois mon père un régional sur du travail public et 500 euros la journée. Donc c'est pas des gros trajets non plus, là. Si tu fais des gros trucs, je pense que ça va chiffrer un peu pas trop. Tu vas rentrer quand même. Pour l'instant je suis niveau 0 et le camion n'est pas à moi donc. Tenez la droite. Sortez à droite. Tournez à gauche. Allez tout droit. Ouais, c'est ça, monsieur. 300 euros, carburant, péage, l'usure du camion, du camion. Ouais. Allez, péage.
Mimorex. De quoi? T'as où? Il me reste 1000 bornes à faire. 1000 bornes? La petite heure. Cyberpunk. Il y a Beau. Ah ouais. Il y a Beau qui a dit qu'il l'avait précommandé, je crois. Ça a l'air de claquer ce truc-là. Je sais pas trop si on peut faire une multi. Moi je pense que multi. Tu crois? Je pense. À la base c'est un jeu de société, donc ça serait dommage qu'il y ait pas de multi. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Parce qu'il va sortir maintenant, ça fait la quatrième fois qu'il est repoussé. De quoi, Cyberpunk? Oui. Bah si, normalement, ouais. C'est la quatrième fois cette année qu'il est repoussé. Ouais, mais à chaque fois qu'il repousse, là, il le repoussait que d'un petit mois, je crois, 3 semaines. C'est oui, une... Ils n'ont pas repoussé d'un coup. Il y a des gens qui ne croient plus parce que mais il y a repoussé pour la quatrième fois cette année. En fait, c'est un truc qui est dans les tuyaux depuis 2012 ou 13, je crois. C'est une équipe qui s'est consacrée sur Civ 3, je crois. Ils y ont passé un temps fou dessus et du coup, ils avaient laissé ça un peu dans les cartons. Ils ont dépoussiéré ça l'année dernière, je crois, ils ont fait l'annonce. Ça a l'air de bien claquer. Ça applique pourquoi pas. On veut bien attendre. On a surtout intérêt à être excellent comme jeu. C'est ça, parce que là c'est double lame, quand t'as attendu trop de temps, en fait c'est de la merde alors. Dur. Les studios qui ont fait ça, ils s'en sont jamais relevés. Ah bah oui, ils sont chauds. Oui, ils sont chauds, ils ont fait des... je crois qu'ils ont fait la série des 3 siffles, avec des H9. C'est des jeux FPS aussi, pareil. Je crois une collaboration. Et le 3, apparemment, il était exceptionnel, quoi. Le truc, il a 50 heures de jeu en temps... En fin de carrière solo, quoi, et si tu fais tout, en fait, ils avaient compté avec les 4 secondaires et tout, tu te passais, je sais pas, je dirais chiffre de n'importe quoi, tu restais vraiment interminable pour le faire 100%. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Bienvenue en Russie. Ouais. Ah. Oui, il y a un peu de radiation. Préparez-vous à tourner à droite. Je pensais que c'était quelqu'un qui tirait une douille, en fait, non, quoi. Non, c'est le compteur. C'est le compteur qui pète les plombs. C'est la Russie, hein. Entre leurs centrales qui pètent, leurs essais nucléaires, tout ça. Faut pas oublier, hein. Ouais, mais ils ont le vaccin pour le Covid. Il passait par où l'autre, là? Bon, en même temps, si j'appuie pas sur entrée, moi, ça risque pas de marcher. Tournez à droite.
ça roule en Espagne, tiens. La camionne. Allez tout droit. J'arrive à Kaliningrad. Dans l'enclave. Ouais, je suis dans l'enclave en fait. Je suis pas ici. Tenez la droite, puis continuez tout droit. Il y a des nouveaux bâtiments quoi. Comme c'est bouche. Allez tout droit. Il y a surtout une nouvelle route là-bas. Thibaut, du coup, t'as fait quoi comme trajet, tu disais tout à l'heure, pour faire 9000 km. 9000, tu fais un Arutba, Irak, jusqu'à Bolungarvik. C'est pas comme pays, ça. Islande. Ah oui, Islande, jusqu'à où? Arutba, Irak. C'est pas où passer par l'Irak, j'ai que les lieux Chypre, je crois. C'est un club de la liste. Ils ont rajouté une centrale nucléaire. C'est un club de la liste, Kranga. Quand je disais qu'il y avait de la radiation. Ça y est, mais c'était pas ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu un contrat comme ça. Ouais, mais t'as qu'ils l'ont rajouté à promettre 50, vu qu'ils ont un petit peu retouché la zone. Tu disais quoi, Romain, du coup, Middle East? Ouais. Je vais la carte Middle East en plus. Ouais, bah allez là. Tout droit. Ah ouais, c'est là. Okay. Ah ouais, mais j'ai pas fait gaffe. Alors. Pour ceux qui n'ont pas un Middle East, il y a le trajet qui fait pas très très loin de ça. Ouais, bon, faut que, quand tu fais ça, ce trajet là. Irak, Islande. Prévois quand même ta journée. Okay. Ouais, prévois 6-7 heures. Ah oui, c'est sûr. Ah, mais tu pètes 10 000 euros ou quoi, quasiment. Ouais, c'est ça. Tenez la droite, puis sortez à droite. Non, tu fais 9 minutes. C'est ça. Tu fais ta... Sortez à droite. Bah, tu fais 3 mètres comme date depuis le quota. C'est ça. Allez tout droit. Après, t'en as une autre sur la médailliste qui fait 9004. 4, ouais, tu pars de... Tu es Salonique. Par contre, tu fais un sacré détour en passant par l'Italie. Ouais. Et tu fais Thessalonique, Bolungarvik directement en passant par l'Italie. Tu fais le tour de l'Italie. Ouais. Pour remonter en Allemagne et tout ça. Le 9004, il fait 8004 à la base. Ciudad Real. Oui. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Je voulais me faire un Ciudad Real jusqu'à Hammerfest. C'est tout le nord de la Finlande. Quoi. Tournez à gauche. Et j'ai fait un truc à côté de Hammerfest. Je suis descendu jusqu'à Gênes. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. C'est quoi ce truc en réel? J'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient à côté en réel, d'autres pas. C'est le jeu qui décide tout seul ou tu peux te... De quoi, en réel ou pas? Mais il y a des... J'ai vu qu'il y avait des trajets. Il est écrit entre parenthèses réel. Ah oui, c'est kilomètre. C'est quand tu ne dépasses pas la vitesse. On va dire que quand tu fais réel, c'est que t'as pas dépassé les 101. Les 100 km/h. Les 101 km/h, voilà. Mmh. Et si tu dépasses les 101, ça va marquer en course. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. D'accord. Prenez les dates, quoi. Ouais,
tu passes sur Discord. Et c'est toi et c'est ton book qui gère ça. Oui. Sortez mais en fait, maintenant. Si j'ai jamais raté pour le moment une course. Et il y a des trajets où j'ai un réel et d'autres il y a rien écrit. Donc je me suis dit en fait c'est quoi ce truc, est-ce que ça fait vraiment un réel nombre de kilomètres pris sur une carte ou est-ce que... Ah réel c'est compté, c'est que c'est comptabilisé. Course aussi mais sur un autre rang et ça. Ça comptait pas pour la team. C'est ça. Ouais, voilà. En fait quand t'es en course les kilomètres sont pas comptabilisés pour l'objectif en fait. Non mais en fait j'ai eu réel et des fois il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'écrit. C'est bizarre pour pas qu'il y ait rien. Il me semble. Ah mais quand c'est réel, c'est comptabilisé pour l'entreprise. Ouais. Bah, pour le moment je me suis chioté la frère. Ça c'est pas Discord qui gère ça. Quand... C'est le truc yes. Qui gère ça. C'est tout. Oui c'était comme détail, c'est une question comme ça quoi. C'est tout récent en plus. Comment c'est tout récemment. Hein. Préparez-vous à tourner à gauche. C'est-à-dire, enfin, je comprends pas ce que tu veux. C'est une fonctionnalité qui est arrivée récemment en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Tourner à gauche. Par exemple, toi, t'as fait 23 500 km sur ici. Qui est ce qui a fait le plus de 4 en course? Ah ben c'est toi, d'accord. De quoi? T'as fait 3400 en course. Allez tout droit. Ah bon? Ouais. J'ai jamais dépassé les 5 km. Attends, je regarde. J'ai le détail. 3400. Tournez à droite. Parce que je sais que j'ai gagné trop à un moment donné parce que j'ai fait fin octobre jusqu'à. Début novembre, moi j'ai fait un truc du côté pour 5000, et comme ça a repassé en fait, il y a eu allez, tout droit. Novembre, normal. Et du coup, je me suis fait niquer 5000. Préparez-vous à tourner à gauche. Je savais pas comment ça marchait, ça je sais. Et après, c'est mal d'avoir raté, tu vois. Les 5 km/h, je vais pas. Je pense pas. Tourner à gauche. Un Torino Leipzig. T'as loupé plusieurs pour le coup. Ah bon? La première, t'avais fait 101 sur la route des Alpes. Ah ouais? Ouais, sur la route des Alpes. Ouais. 1074 km et. T'avais 14 tonnes de glace. D'accord, et tu vois ça dans le truc? Ouais, j'ai bien. La deuxième. T'as plus de visibilité. D'accord. Ouais. Tu peux voir le trajet où est-ce qu'il est parti, tu peux même le copier. Marque du camion. Et en deuxième, c'est le 2004 quand t'as loupé. Reykjavik, Vasa, 2400 km, t'as fait ça en deux. Reykjavik, jusqu'à où? Vasa. Ah oui, jusqu'à Finlande, d'accord. Et t'as fait un 101 au niveau des bosses à la frontière avec entre la Norvège et la Suède. Après Oslo, là où t'as des bosses et au canon saute. Ah ouais, celle-là, elle est dangereuse. Il a fait un 102 là. Elle est traître celle-là. Ouais, très traître. Ah oui, exact, ça c'est celle-là, ouais. Ouais, là et je me rappelle que. Apparemment, il a fait un F7 juste après. C'est quoi F7? Mais t'as fait un TP en. Tu t'étais pas au slow juste après le saut d'avoir fait le 102. J'ai qu'il y a eu d'accord à la fin 102 et en plus de ça, il s'est planté. Du garage. Donc, ouais, c'est traître. Après la bosse là, elle est traître. Mais en fait, d'accord. En fait, ça, dès que tu le fais une fois, ça chie. Et après, ouais, tu refais ça, quatre fois. Ouais, ça chie tout le trajet. Non, mais attends. Ah oui, c'est un fort tour. Hein. Mais en fait, ce que j'avais fait, c'est vrai qu'une fois, je me rappelle, j'avais fait 5-1 ou 5-2, un truc comme ça, et j'ai fait charger, après j'ai rechargé ma sauvegarde. Ah ben ouais, ben c'est... Ah ouais, c'est peut-être bien la téléportation que j'ai vue. C'est ça. Mais ça compte quand même, ça compte quand même. Quand tu fais ça, ça compte quand même, hein, de toute façon. Ah ouais, ça compte quand même.
faut abandonner la frette, hein, parce que t'es, en plus t'es même pas à mi-chemin. Et en fait, quand j'ai fait recharger, ça, là, elle est morte, quoi, c'est fini. Ah bah, ouais, quand elle est morte, quand t'as et dépassé les 101, c'est mort. Même si tu recharges un... Même si tu recharges, c'est mort. Ouais, c'est mort. D'accord. C'est foutu. C'est enregistré dans la télémétrie de la frette. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'avais la carte dans le camion et qu'ils voyaient tout ce que t'as fait. Ok. Mais donc, du coup, mais tu vois, j'allais tenez la gauche. Je pensais pas. Mais au final, si t'as loupé 3400 sur un site, du coup. Ah, joli, ouais. T'es celui qui a le plus loupé dans la team. D'accord. Bon, finalement, tu vois. Ouais, vu qu'il y a plus Yaki. Vu qu'il y a plus Yaki qui loupait 40 000 par mois. Ouais, Yaki, lui, il est à l'effort, hein, ouais. Putain. Ouais, il y a des manches à l'effort. Au rond-point, prenez la première sortie. Il roule tout le temps à 100 km/h en même temps. Ouais. Ah ouais, Flappy, c'est pas le possible. Sortez maintenant. Je suis en retard, je suis à 2000 km. Là, j'essaie de rouler. J'ai à 29 000 balles qui sont à TS, mais je suis à 12000 km sur TS, donc. Mais faut que je change de jeu. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Tenez la gauche. Tenez la gauche. Grand village de Mont-Saint-Michel modifié, Paris refait, Lille refait, 1-1 ajouté. Tenez la droite. Ceci, t'es là. Sur la promo du côté de la France, ça commence à bouger. Ouais, peut-être à ajouter des nouvelles villes. Mais là, ils sont en train d'ajouter. Là, le prochain mec qui ajoutera, ça serait Granville normalement. Où ça ? Dans la Manche. Préparez-vous à tourner à gauche. Par contre, les petits trucs qu'il y a là-bas, je laisse tomber. Tournez à gauche. Si t'es là, t'inquiète pas, je t'ai vu, hein. Alors...
au rond-point, prenez la deuxième sortie. Elles sont bien faites. Ouais. Elles sont bien faites. Amusant, on va dire. Parce que bien faites. Sortez maintenant. Dans la manche, je m'en fous, je porte que des chemisettes. Ah ouais. T'as mangé un clown ou quoi, monsieur, pour que ce soit. C'est pas un clown, hein. C'est la maladie. Non, c'est la, con... c'est la maladie à Pili. C'est contagieux. Ça, c'est sûr. Ah, mais, la... mais les conneries de Kelly, c'est contagieux, hein. C'est plus Covid, hein. Ouais. Allez, allez, Tony. Bon, ben, je suis arrivé du coup. Nickel. Allez, tout droit. Okay. Tenez la droite. Il y a eu une contamination de Kelly, je sais pas quoi. Pourquoi dites ça? C'est la même chose que toi. Ouais. Allez tout droit. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ouais, tu vas sur le site de Promode. Sortez maintenant. Et tu télécharges une liste. Je disais que j'avais téléchargé la... J'avais téléchargé sur les Pélian, tu sais, la... Ouais, mais il n'est pas dans la version moderne. Ah, d'accord. Okay. C'est à part. C'est à part. Parce qu'il était dessous. Il était dessous, je pensais que c'était compris. Okay. Ah, non, c'est à part, et si tu prends payant, c'est 50 centimes. Ouais, d'accord. Ok, mais écoute, je vais faire ça. Hein. Parce que c'était 50 centimes la première ligne, 50 centimes la deuxième. Donc je dis, mais c'est ça, les 1 euro, en fait, c'est les deux. Ok. 50 centimes, t'as les deux. T'es sûr? C'est pas 50 et 50? Enfin, c'est 1 euro la. La map, la map Promode plus 50 000 de l'Est et prenez la deuxième sortie. C'est ça. Ah, le trailer pack, oui. C'est parti pour livrer. Sortez maintenant. Un lance-missile. Ouais. Un lance-missile. C'est en fou. Tu vas en Russie ou quoi? Non, je vais à Clermont-Ferrand. Ah merde. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Il a dit nous sommes en guerre. Ouais. Sortez maintenant. Enfin, bon, il a peut-être prévu un peu gros. Hein. C'est sûr. Ah mais le petit le lance-missile qu'il a commandé, hein. c'est un char lanceur d'engin. C'est un jouet. Ouais, Preston. Tenez la droite. Man, c'est
Aston, là j'avance. Ah exact, ouais, c'était extra. Je suis sur le site promode en fait. C'était un extra, je crois que c'était compris là. Ok. Ouais, c'est un train, ouais. Après t'es pas obligé de payer pour avoir le midrest. Ben non, je dois de téléchargement, ouais. Je vais le lancer direct. Moi ouais, généralement c'est ce que je fais. Hein. Je paye les 1€ pour la map de base et après le reste. Ouais. Le Midwest non parce que c'est petit. Hein. C'est un petit fichier. Du coup là. Je suis à 2,50 en fait, on est passé à 2,50 ouais. 2,50 pas compatible en multi par contre. Pas encore. Attends, là à 39 multi. Après ça n'empêche pas que tu le télécharges et tu le gardes de côté. Tu t'en gardes à la 2,50. Ah, moi j'ai mis la 2,50 et la 2,51. Moi j'ai les deux dans mon dossier mode. Mais ça fait pas conflit. Mais moi je l'ai mis dans un dossier à part, je l'ai mis dans un dossier appelé convoi. Comme ça quand il y a un convoi, je pioche là-dedans. Comme demain. Allez tout droit. C'est bien ça. Par contre, ouais. Je suis dégoûté, ils ont sorti le château de Carcassonne ou quoi, ça c'est une catastrophe. Possible ça. J'avoue que j'étais déçu aussi. Je sais pas si Beau sera là demain après-midi. Je sais pas. J'en sais rien. Putain, ah, le beau coucher de soleil par contre, ah magnifique. Ah ouais, c'est ce que je vais faire. Sur le viaduc de Mio, trempez-le. Ah mais j'ai un mode pour les... pour faire une photo de très loin. Là. Tenez la gauche. Allez tout droit. Déjà, Nico. Moi j'habite à l'Ariège en fait entre Toulouse et Landor. J'ai le chef lieu de ma ville et de l'Ariège, c'est Foix. Un beau château aussi. Et tu vois ta réponse, monsieur propre. En fait, généralement on ne connaît pas, mais. J'aime passer chez nous pour aller à l'Andorre acheter des clopes. Donc ouais, de suite ça parle. De suite ça parle. Clope, bibine, vas-y. Moi j'étais curieux si... pour le château de Foix, car ça m'a toujours intrigué. Vous voyez le château en haut là. Je me demandais si je pouvais le visiter, si c'est visitable. Bien sûr. Bien sûr. T'as la vue. T'as la vue sur toute la ville. Ils te font la vue doit être magnifique. Ouais, c'est chouette. Ouais. Je l'ai fait gamin avec l'école. Et ils te font visiter. Ils te font visiter en fait une salle avec les armures. Avec,
Ouais, t'habites Narbonne, toi, je sais, monsieur Propre. Ah, mais il est pas très loin, il est là, monsieur Propre. Oh, ben je sais ce que je vais faire quand ce sera déconfiné. Et. Alors, ouais, merde, c'est passé parce que. Il y avait. Les journées. Il y avait les journées du patrimoine, ouais. Exact. Mais bon, c'est en septembre, donc il faudra t'attendre septembre 2021. Après, c'est gavé de monde. Ça, c'est le problème. Est-ce que tout le monde a la même idée? Bon, après, si t'es pas pressé, tu viens. Non, je suis pas pressé. Voilà. Mais je veux dire, tu fais ta journée là, et puis tu prends le temps de visiter. Mais c'est gavé. Allez tout droit. Moi, je veux bien prendre le temps de visiter. Hein. Bah, la foi. Ouais. Il y a beaucoup de monde, c'est un peu berché quand même. Ouais, c'est sûr. Faut y aller hors saison. Oui, après, c'est ouvert toute l'année. Hein. Faut que tu regardes sur le site de l'office de tourisme. Tu peux voir, quoi. En deux heures, je suis donc. Pour moi, c'est à portée de main. Oui. T'as le château de Montségur aussi qui est beau. Avec une vue magnifique sur les Pyrénées et tout ça. Les derniers vestiges des Cathares. C'est vers chez moi, il n'y a pas de trucs comme ça vers chez moi. Bon, après, chaque région a son. Toi, ça peut être le côté culinaire, tu vois, ça peut être. Chaque région a son truc, quoi. Préparez-vous à tourner à gauche. Dans mon coin, c'est surtout le tourisme, la côte, la plage. Tournez à gauche. Le parasol, mais bon, en hiver, c'est pas compliqué. En été, il y a du monde, en hiver, il n'y a plus personne. Tout le monde déporté. Cette fois-ci, j'arrive en Russie. Pour l'instant, je suis bien en France, là. Je suis dans le centre. Non, j'ai dit... C'est central. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Il y a Carcassonne prochaine. Ça ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Bah t'as 80 km de chemin, du coup. J'aurais dû y aller, bah. Préparez-vous à tourner à gauche. La semaine après que Macron ait annoncé le confinement, puis ça a été annulé. Donc... Tournez à gauche. Il faut que tu prennes après une voiture de loc. De quoi? Tu restes sur le centre ou il faut que tu prennes une voiture de loc parce que t'as la gare qui arrive direct à Carca? Non, là, d'après ce que j'ai compris, j'y allais en train et le client venait me chercher après de prêter une voiture. Bah, généralement, quand c'est comme ça, je reste une journée et demie, tu vois. J'arrive l'après-midi, je repars. Même pas une journée et demie, tu vois, c'est 24. Ouais. J'y arrive généralement début d'après-midi, je repars. Le plein centre après la gare. Il
il était là, il y a des super super concerts gratos. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Soir, là, ça joue. Ça joue gratos. Maxime la forestier, j'ai mis. Tournez à gauche. Ouais, du coup, Rex, toi, t'es toujours dans les trains, quoi. Bon, en ce moment, de toute façon, fin d'année, début d'année, tu vois, ça bouge pas mal. Ouais, généralement, c'est là qu'ils voient à peu près combien il reste d'argent. Ouais. Donc, tu vois, ils préfèrent investir dans les réparations, machin, que de donner ça, que de payer des impôts. Quoi. Ouais. Allez, tout droit. Après, je travaille dans l'après-vente. Chine, elle fonctionne pour qu'ils puissent rentrer de l'argent aussi. Alors, t'es quoi, t'es commercial ou t'es plutôt technicien? Non, j'ai technique. T'es pas technicien dans l'île pour rien. J'ai pas entendu ce que t'as dit. T'es technicien hydraulique ou plutôt molec ou. Allez tout droit. Ah moi ouais, moi je touche à l'hydraulique et à l'électrique aussi. Pas du tout. Ouais. Et l'avantage c'est que j'ai fait 11 ans de diagoto, donc je sais pourquoi les machines fonctionnent comme ça, tu vois. Les machines fonctionnent comme ça parce que sur les voitures, l'organe fonctionne comme ça. Donc. En fait, c'est quoi que tu révisais des ponts ou des trucs comme ça ou... Non, c'est des bancs d'essai. Pour tester les pompes, les injecteurs qu'il y a de monter sur les motos. D'accord. Allez tout droit. Donc, ça peut être des clients en contrôle technique ou non, contrôle technique, non. Non, ils ont pas ce genre de matériel. Enfin, moi, personnellement, je n'interviens pas chez eux. Moi j'interviens surtout chez des plateformes dieselistes ou des ateliers de réparation moteur, tu vois, ce genre de machine. Parce qu'après, les speedy, les moto, les Veritas, tout ça, ils n'ont pas ce genre de matériel là. Donc j'interviens pas chez eux. En théorie, chez les petits garagistes, ça coûte tellement cher qu'ils peuvent pas investir là-dedans. Ouais, c'est genre chez Citroën ou des trucs comme ça. Non, non, même les concessionnaires, ça les intéresse pas. Ils préfèrent, vendre un injecteur ou une pompe neuve, tu vois. C'est vrai. Et ils auront plus de marge en arrière, si tu veux. Donc. Et oui. Et puis eux, généralement, voilà, quand tu vas chez un concessionnaire, tu sais que tu vas te faire ouvrir en deux. Donc. Tu t'es fait crever, ouais. Donc l'injecteur, ils vont vendre 400 balles, alors qu'un injecteur échange de réparation, là, tu vas le payer 170 euros. Ouais. Enfin. C'est vrai que les conditions, ça pique. Ouais. Là, il y a une C3, franchement, j'avais pas envie de me faire chier pour changer une ampoule, il faut te mettre la moitié de la manière, tu vois. L'ampoule de phare. On l'a amené, la pièce, elle coûte 5 euros. On a pris 85 euros de main d'œuvre. Ouais. Bah, il y a certaines bagnoles, t'es obligé de démonter le phare. Et pour démonter le phare, il faut démonter le pare-choc. Exactement, c'est le problème de la C3. Il te faut démonter la roue pour accéder aux vis du pare-choc. Il te faut démonter le passage de roue. Ensuite, démonter les vis. Démonter celles qui sont côté capot. Puis démonter la calandre. Et faire du tombe la. Tu déposes le façade. Tu démontes tout le pare-choc et tu sors le phare en fait. Il te faut une après-midi de travail pour injecter quoi, n'est-ce pas? Il y a pour 2 heures de travail pour mettre le sachet de quoi. Donc j'ai dit, bon, mais c'est bon. Ouais, je peux faire 5. Ouais. Bon, maintenant ils se sont améliorés. Hein. Ils ont monté, il y a beaucoup de constructeurs, ils montent les optiques sur des espèces de rails, tu vois, des charnières, ouais. Un peu spécifiques. Le
généralement t'as une ou deux vis en plus, toi tu tires le phare et après t'as accès, t'as de la place pour passer les nuits. Ouais, mais tu sais que après c'est vraiment du foutage de gueule parce que on a un petit garagiste, tu vois, qui est pas loin de chez nous en fait et qui bosse sans arnaquer les gens, tu vois. Et je lui amène. Et là c'est trop pareil aussi pour changer les ampoules il y a quelques années après, tu vois. Et je pensais prendre le fer allumé, quoi, tu vois. Enfin, pas autant, pas 85€, 90€, mais je pensais payer dans les 50 ou 30 ou 40, tu vois. Le mec, je dis combien je vous donne, 12,50€. Je dis sérieux, 12,50€. Il dit quoi, c'est pas assez cher. Je dis, attends, je paye 85€, 90€ chez Citroën, il me dit, si tu trouves que c'est pas assez cher, je te fais payer 15€, ça te va. Tu veux aussi prendre 15€, putain. Après, tu sais, des fois, avec l'habitude, hein, t'as la technique et t'as pas besoin de tout démonter. Je lui dis, mais comment t'as fait? Il m'a dit, mais j'ai des yeux au bout des doigts. Ouais. Ah, donc, lui, ça fait démonter. Tu sais, il y en a, ils sont vachement ingénieux. Hein. Des fois, il y en a, ils te fabriquent 10 outils pour éviter de se faire chier. Ils gagnent du temps. Aller tout droit. Salut gars. Ok, marche. Tenez la droite, puis tenez la gauche. Merci. À bientôt. Merci. Toi. Merci. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Il rentre dans la lagune. Allez tout droit. Ouais. 400 bornes. T'es parti du Dijon. Mmh. Bon, ouais, c'est pour ça. Il y avait 2600. Pour l'instant, c'est bien parti pour que je perde de l'argent. Préparez-vous à tourner à droite. Ouais, quand t'es tout seul, en 95 tout le long. Y a pas beaucoup qui se retourne tous les quatre virages. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. On a dit que c'était qui ? Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Je suis arrivé. Attends, pour la première fois que je vais dans cette entreprise. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Ah ben, il n'y a pas de deuxième. Ah ouais, d'accord. C'est terminé. Il me donne un camion qui a déjà une vitesse de pété. Parce qu'ils te connaissent, Thibaut, c'est pour ça. Oh putain.
je suis arrivé. 2685 bornes. Ah, il est 11h20. C'est bon ça. Ah, les gens farbe là, 2685 réel. Ouais. Dans la journée sur l'autoroute du monde, bah alors la nuit, il n'y a plus personne. Ouais, je vais me taper à Dijon. Thibaut, il y a un avion qui s'écrase dans le monde et c'est sur ses pompes, ouais. Mmh. Ouais, je vais me taper à Dijon pour demain. Ouais. Bon, je prends quel camion demain, les viewers. Le Renault. Lequel, le Ronstein ou le premium? Ah, ton spécial hein. Ah, mon spécial, d'accord. Moi, je vais prendre mon spécial camion. Hein, spécial rangé, bon ben. Non, son premium. Mon premium. Son premium spécial. Romain a dit le premium. Donc on va prendre le premium. Hein. De quoi? Non, il est optimisé celui-là. Ah, je suis obligé, hein. C'est, dès que je donne un coup de klaxon, je vide le réservoir d'air, donc faut vite le remplir. Hein. C'est vrai. Surtout qu'à Michel, il va sauter tous les sons du jeu. C'est ça. Avec la F-Mode qui déconne. Mettez une tonne de bananes. Ça va, l'habitude. Oh là. Nickel, j'ai nickel premium. Iveco. Ah, il y a monsieur propre qui disait Iveco. Un petit Iveco, c'est que le réservoir, tu fais que 600 bornes. C'est ça qui est chiant. Ouais. Et encore, 100 km, t'as de la chance. C'est clair. Mais depuis quand ça disjoncte pas ce câble? On va échanger la couleur des roues. Ça craque. Ah, oh, mais c'est ça quand ça fait, c'est neuf. Ouais. Le tien est vraiment pas si neuf. Ah, mais il a de la borne sur un. J'ai fait plus de 100 000 avec. Hein. Ah, bah c'est bien. Configuration camion. Et on va changer la couleur des jantes. C'est encore l'ancienne couleur en fait. Ah, capter le vent. C'est ça qu'il faut changer. C'est mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. C'est pas la peine de cloisonner. Ah, de klaxonner, il y a personne, ouais. Bah si. Regarde, il claque mon camion, Jacques. Il est pas merveilleux ce camion-là. Hein? C'est pas une beauté fatale, là?
Ça, c'est ce que j'appelle un camion. Bande de pédé. Attendez, je vais vous réveiller. C'est un camion d'homme, ça. Ça me plaît déjà mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore? C'est quoi ces vis apparentes là? Ouais, c'est mieux ça. Ah, mauvais fonctionnement du moteur. C'est dommage, je peux pas en mettre en bas des klaxons. Ah, mais ça va pas. Je peux voir. Non, j'aurais bien mis en bas aussi. D'accord. Oh, ça fait vraiment camion américain. Là. Camion de gros bof. C'est bon ça. Je vais le garder, je crois, ce truc-là. Si, je pourrais mettre des strombos là. Je pourrais mettre des strombos. Mais je peux pas mettre de l'axon. Je vais voir Drakkar qui me fasse un camion modé. Oh. Avec des klaxons en bas là. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais aller voir Drakkar. Je crois que je vais laisser mon pare-lapin. Hein. Bon, allez, validez la commande. Voilà. Il est pas beau mon premium, Jacques, là. Il te plaît pas mon premium? Il est magnifique pourtant. Ce soir. Bon, un petit viewer, moi je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous demain vers 3h-10, 3h-5 pour le convoi d'event. S'il n'est pas annulé d'ici là, mais bon. Ça c'est encore autre chose. Et ça serait pas illogique, mais bon. On verra bien ce que Popel décide, hein, s'il ne maintient ou pas. Autrement, s'il n'y aura pas d'event, je ferai du Fire, je sais plus trop quoi là. Nouveau jeu Steam. Oh, Firefighter. Firefighter, voilà. Un jeu où on incarne un pompier. Je vais vous montrer celui-là. Ouais, Firefighter. C'est un petit jeu où on incarne les pompiers américains. Qui est plutôt sympathique, moi je trouve pas mal. Ouais, j'ai regardé de live de la découverte, ouais. Ouais, c'est sympa, j'ai joué là, j'ai joué pratiquement 3 heures quand même, ouais. Mais il est bien, okay. Il est sympa. Attends, Boubou 76, enfin Crouchou l'a acheté aussi. Bon, les petits viewers, je vous donne rendez-vous au pire des cas demain après-midi. Pour faire de l'ETS, l'event du dimanche, sauf changement de dernière minute, mais bon, ça je sais pas encore. Sinon, ce sera du firefighting. Je vous souhaite bonne partie, bonne route à ceux qui roulent encore, et par les temps qui courent, faites attention à vous. Allez, ciao ciao les viewers, et à demain. Bisous bisous.